Salut les touristes et bienvenue dans cette vidéo. Donc vidéo qui va parler essentiellement des vadrouilleurs sur leur voyage en Laponie, enfin le départ de leur voyage en Laponie. De la journée rencontre. Donc j'ai très peu filmé. Par contre à la suite j'ai mis des vidéos du restaurant où on était avec eux hier soir. Voilà juste quelques minutes avant le départ de leur voyage en Laponie. Là actuellement c'est les vidéos de la rencontre abonnée. Ça c'était la veille qu'on a dormi à la Ménitrée. Et donc il y avait Alexis qui arrivait avec son bus de Belge, son camping-car américain, franchement magnifique, que vous voyez à l'écran. Donc là, comme vous pouvez voir à l'écran, Jérémy voulait se laisser pousser les cheveux, et comme ça allait vraiment pas vite, je lui ai acheté une petite perruque. Petite perruque qu'il a portée quelques minutes à peine. Là à l'écran, c'est Manu et Sandra qui ont fait la surprise de venir de Toulouse. Exprès pour le rassemblement. T'as un souci, Alexis? Bah ouais, j'ai un souci. Attends, je peux encore reculer un peu ou pas? On peut décapoter? Bah limite quoi. Ah, okay. Si, vas-y, allez, vas-y. Attends, tout petit peu, parce que là, je suis... Ouvre... Tu veux ouvrir la capote? Bah non, mais... Putain, fou, vous allez avoir froid seulement. C'est une boîte à sardines, ta voiture, Manu. Mais non, c'est pas une boîte à sardines, arrêtez un peu. Tu sais où c'est, toi? Tu vas me dire? Hein? Une bonne partie de rigolade. Donc j'ai très peu filmé cette rencontre abonnée. J'ai essayé de prendre du temps avec tout le monde. C'est vraiment pas évident parce il y avait vraiment pas mal de monde. J'ai rencontré d'ailleurs Francine, dont vous voyez le camping-car à l'écran. J'ai rencontré même quelques jours après, dont vous voyez les images là. C'est vraiment le hasard que je la rencontre à cet endroit. Et c'est quelqu'un où il y a eu un énorme élan de solidarité sur une page Facebook. Bref, je vais pas raconter son histoire. Mais franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Francine, si tu passes par là, gros bisous. Donc j'ai rencontré Jock et Jacques aussi, j'ai rencontré Mika des Routes, les voyages d'Auguste, entre guillemets Charles. Franchement, c'était extra. Voilà, j'ai pas envie de citer tout le monde parce que je vais en oublier, mais c'était super. Je vais mettre les liens de toutes les chaînes. Des gens qui font des vidéos qui étaient présents à cette rencontre, qui eux aussi ont filmé, dont certaines personnes ont fait de super montages, voilà où c'est où il y a vraiment des trucs à regarder, et on s'est vraiment bien marré. Donc là, je vais vous laisser parce que on va passer au restaurant et franchement, voilà, vous allez rigoler. Parce qu'on n'a pas du tout parlé de vous en fait, et quand il commence à filmer, et ben on dit quoi? Ben on fait une petite intro et tout avant de montrer les photos, les vidéos. Moi je trouve que vous avez bien parlé en fait. Et là il parle, sur vous. Putain, je croyais que j'allais péter de rire. Héloïse, parlons-en. Il a passé sa soirée en stream. Avec sa langue et quand il t'a trouvé, tu le vois. Est-ce qu'il le fait ça? Quand il te fait la toilette, c'est ça. Non mais si il fait ça, ce qu'on dirait un peu un thermomix. Hein. Ah, si ça va. Il faut qu'on passe par l'Ardèche parce que l'Ardèche, on va poser. Et là, tu viens, on va poser. Et là, tu viens, on va poser. Des grosses pierres. On va gonfler. On est tous partis en Californie. L'année dernière, on est parti au mois de juin. On va prendre 5 minutes de Gwen. Gwen, bonjour. Ah oui. Forever. Forever. Moi je prends ça. Allez, on est des Si c'est pour venir après, c'est quoi ce grand plan? T'es en grand angle? T'as un grand angle? Ouais, ouais, c'est extra. On se dirait dans, tu sais, merde, les visiteurs. T'insinues que j'ai la gueule de la couille. Bon alors là, moi, j'ai un scie avec les porcs. Ah, c'est charmant. Ah, tu viens de faire chuter. Ah,
T'arrêtes de le faire, on va se faire écouter. Je vais me faire engueuler. Il mange pas, du coup, il reste debout. D'ailleurs, ça va, tu la sens comment Ah, cette scène-là, bah, j'ai pas le faire avec Karine, parce que si je te l'avais dit, j'arrêtais. Non, je t'y reprendrai avec lui. Tu l'as dit quand, du coup? Elle l'a su par le sur Facebook. Elle vient là, elle attendait Luna à la gare. Je l'ai au téléphone pour savoir où elle en était. Elle me dit, mais c'est quoi la caméra? Elle était en magasin de enfin, elle savait pas que c'était intéressant. Je dirais rien. Lui, il a vraiment pas dit, c'est bon quoi. Yo, t'es bien toi là? Dernier petit resto et puis c'est ça. Ah ouais, vous avez dit, vous avez dit. Mais ouais, quand tu nous l'as dit, on avait la machine, on avait la machine qui était partie. Ah, j'ai été dégoûté quand tu m'as dit ça, je fais un merde. Ah, forcément, on est pas les trucs. Mais ah, bah, on vous attend. Vous avez soif, ça va. Commençons par les boissons, du coup. Je mets tout sur la même table, j'imagine. Non, on pourrait en mettre sur la table là-bas, mais là. On ça tout sur la même mettez table. Tout. Mettez tout au nom d'M6. C'est eux qui régalent. Oui, alors on a encore. Moi une bière, une lait. Lait Royal Sale aujourd'hui 33, 25 ou 50 25. 25. S'il vous plaît. Tout ça pour ça? Ouais, c'est carré, je ramène le verre. C'est pour ça? Ouais, non, pour les plats aussi. Là. Ah, végétarien, là, vous savez. Oui, le burger. En menu. Pour la cuisse. Ah non, pas de point. J'enlève ce que je viens de dire. Elle a du bourre, notre serveuse. Un diabolo citron du coup. Avec... Toi aussi. Tout ça pour ça. C'est bien. Il y a beaucoup de points communs. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Ils mettent. Bah, gars. Ils mettent 3 heures à se décider. Alors là, déjà un gros point commun. C'est vrai. Et là, le coupé au montage. Le caméraman a son petit sourire. Vous coupez au montage. Hein. Tu comprends ça. Ouais. C'est M6 qui régale, c'est ça? Ouais, évidemment. On a tout génial. Ouais. Toute la maison. Ça, c'est bon, ça. Bon, vous avez vos verres? En train? Bon, bah allez. Bon, bah, merci à tous d'être venus. Hein, tu voulais faire? Vas-y, fais-le. Fais-le. Bon, bah... la petite larme. J'ai envie de pleurer. Non. Bon, bon, pour merci en tout cas... Santé! Et pas des pieds. On rencontre des gens formidables.
toutes ces personnes ne seraient pas là si on n'a pas fait cette vie-là aussi. On les a connus aussi grâce à la vie nomade, grâce à la chaîne, grâce à tout ça. Quoi. Même vous, c'est pareil en fait. Non, on n'a pas eu mais ouais, c'était vraiment un coup de patience quand même. Au final, on a fini à s'accorder. Dans la vie, t'as ceux qui racontent que le Père Noël existe, comme sur YouTube. Il y a des beaux parleurs, et t'as ceux qui vont chercher le Père Noël. C'est beau ça, ça m'étonne de toi. Tu la prends souvent ta GoPro pour faire ça parce que c'est petit, non? Non mais en fait, encore à venir. C'est bon. Tu vois, tout à l'heure. Oui. Elle est sympa. C'est ah ouais non. Depuis tout à l'heure, tu tapes tout dans mon assiette. Donc je veux bien, mais je vais avoir du mal à tout prendre. Tu viens de donuts, quoi. Papa, je peux avoir un morceau de GoPro? Non, vas-y, arrête, là, c'est bon, ouais. C'est charmant. Oh, je l'ai. Je l'ai dans la boîte. Rappelle-toi la boîte. Moi, je joue pas qu'à nourrir. Je ne partage pas. C'est bon, non, mais je peux couper là, je l'ai. Voilà pour cette vidéo. Alors Jérémy, comme prévu, juste au moment du départ, a pensé, on n'y pensait plus, c'est vrai qu'on s'est dit au revoir, tout ça. Et donc il a pensé à me donner son GPS TomTom, comme il l'avait dit dans ses autres vidéos. Et je ne sais pas si vous avez entendu et de souvenir dans cette vidéo, ça doit être à 10 minutes 40. Donc repassez un petit peu en arrière, vous allez à 10 minutes 40 je crois. J'ai dit quelque chose, j'ai dit dans la vraie vie, et encore plus sur YouTube, on tombe sur des gens qui sont des beaux parleurs, qui vont vous faire croire au Père Noël. Et à côté de ça, il y a les gens qui vont le chercher. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Pour ceux qui voulaient des nouvelles du string, il est là. Il sera accroché au rétro du camping-car maintenant. Voilà, il a trouvé sa place. Ce sera la mascotte. Si vous reconnaissez mon camping-car, et ben voilà, il y aura le string accroché sur les pare-soleil devant. Voilà pour la petite blague. Je vous remercie à tous et à toutes pour les pouces, pour les abonnements. Franchement, c'est super, c'est extra. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Humanité et simplicité, c'était les mots de ce rassemblement. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Je vous remercie, à bientôt.